Bon, ce sont des expressions de questions de forme, mais elles impliquent aussi des faits. Maintenant, alors, j'ai plusieurs autres observations que peut-être je vais vous communiquer par écrit. Maintenant, je voudrais aborder un petit point qui se rapporte à la question des enquêtes orales, auxquelles j'ai eu le privilège de participer en même temps que vous. Et je voudrais revenir sur un point tout à fait particulier que je pourrais appeler l'opération Laalo. Laalo est le nom en poulard d'une plante, ou plus exactement de plusieurs plantes alimentaires qui peuvent être utilisées pour accompagner la nourriture féculente. On fait des sauces avec ces feuilles. Et au moment de votre enquête, vous avez eu l'idée, et moi j'étais présent, et j'ai trouvé que c'était vraiment, c'est arrivé peut-être un peu par hasard, mais c'était vraiment une très bonne idée, vous avez eu l'idée de demander à un des témoins descendants d'une famille des anciens Sénégalais de Tuléar, si il n'y avait pas des éléments culturels de l'ancêtre africain qui étaient conservés dans la vie quotidienne des descendants, en particulier, vous avez dit, dans la nourriture. Et puis ça a très bien marché. Aussitôt, le témoin a dit si. Et il a désigné une plante qui poussait sur le terrain, juste à côté. Là, il a dit cette plante-là. Cette plante-là, notre grand-père a dit que au Sénégal, ça se mange. Et d'ailleurs, il nous a expliqué comment on le mange, et on le fait encore. Et cette plante-là s'appelle Laalo. Et alors, ça a été l'occasion d'une synergie entre deux recherches, puisqu'au même moment, un autre étudiant, Gabriel Lefebvre, qui a soutenu sa thèse avant vous, faisait une thèse d'ethnobotanique et a eu l'occasion de s'intéresser aussi à cette plante qui avait été signalée dans cette circonstance-là, et a découvert que dans d'autres informateurs malgaches du même lieu connaissaient cette plante et la connaissaient sous un nom malgache qui est l'adaptation, la malgachisation du nom poulard, car probablement extrêmement rare d'un mot malgache dans un, on peut dire, un micro-dialecte, n'est-ce pas, d'un mot malgache d'origine poulard. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. La plante est connue de certains sous le nom de Laalo, qui est la malgachisation du nom poulard de cette plante. Alors, ce genre de détail est tout à fait significatif, je crois, puisque on voit là se croiser, se réunir des disciplines et des méthodes différentes sur un fait. Il y a tradition familiale d'une famille dont l'ancêtre paternel était un tirailleur sénégalais, et il y a usage des plantes qui intéresse l'ethnologue et l'ethnobotaniste, et il y a linguistique, c'est-à-dire comment le nom évolue. Alors là, j'aurais peut-être quelques petites observations à vous faire sur les graphies. Nous sommes pointilleux, n'est-ce pas? Je crois qu'on avait déjà discuté, mais il y a encore des petites irrégularités dans la graphie. Comment distinguer, sans se mélanger, la transcription du mot Laalo, poulard, et de la forme malgachisée Laalo? Bon. Peut-être je peux... 5 minutes. Oui. Peut-être je peux aussi quand même proposer quelques petites critiques ou quelques précisions sur des questions historiques. Ce que vous avez écrit sur l'interdiction et la répression de la traite des esclaves dans l'histoire de Madagascar au XIXe siècle n'est pas toujours très très précis. Je crois qu'il faudrait un tout petit peu préciser. Hein. Page 20, vous parlez d'un traité par lequel la Grande-Bretagne avait interdit la traite des esclaves
en 1820. Et vous continuez sans jamais être suivi. Donc le traité n'aurait jamais été suivi. Cette formulation est inexacte. Puisqu'il s'agit d'un traité, ça n'est pas la Grande-Bretagne qui avait interdit. Dans un traité, il y a deux parties contractantes. Ce sont les deux parties qui conviennent d'interdire la traite. Et ensuite, la manière dont vous le présentez, hein, par un traité la Grande-Bretagne avait interdit, semble vouloir dire que le traité, en fait, c'était formel, que c'était la Grande-Bretagne qui imposait sa volonté. Il se trouve que, c'est un point de vue qui existe dans les livres, mais qui a été contesté récemment par Pierre Larson, hein, dans son livre, justement, sur cette période-là, History and Memory in the Age of Enslavement, 2000, Larson réévalue l'agency, la capacité à agir de Radama dans les négociations et montre que la partie malgache dans la discussion sur ce traité était loin d'être entièrement passive. Elle avait sa propre dynamique, ses propres buts diplomatiques. Donc ce n'est pas exact de présenter cette affaire-là comme une décision imposée par la Grande-Bretagne. Ensuite, ce n'est pas vrai que le traité n'a pas été appliqué. Il a été appliqué. Il a eu des conséquences assez sérieuses, puisque, effectivement, bon, c'est un peu compliqué, on ne peut pas entrer dans les détails, il y a eu des difficultés d'application, mais il a été appliqué en ce sens que la traite entre Madagascar et les Mascareignes, traite exercée sur la côte est à l'exportation de Madagascar vers les Mascareignes, a cessé. Et c'était ça le but principal du traité. Ce que le traité n'a pas pu faire, c'est qu'il n'a pas fait cesser la traite sur l'autre façade maritime de Madagascar, la façade ouest, dans l'autre sens, la traite à l'importation des esclaves pris sur la côte est d'Afrique et importés à Madagascar. Dans la perspective de la négociation des années 1820, c'était beaucoup moins important. C'est devenu important 50 ans après. Donc là, il y a une question un petit peu à régler. Bon, ce n'est pas un drame atroce, mais ce serait mieux de le formuler mieux. Et de même, quand vous reprenez le commerce illégal, c'est maintenu jusqu'en 1877, année pendant laquelle elle, ça devrait être il, fut interdite par la reine par décret, c'est pas tout à fait ça non plus. Hein, la traite à l'importation d'esclaves venus d'Afrique de l'Est vers Madagascar a continué en violation des traités internationaux, par un commerce, donc un trafic clandestin, qui était rendu facile par l'existence d'immenses régions non contrôlées par le pouvoir royal. Et la décision de 1877 n'est donc pas une décision d'interdire la traite, elle était déjà interdite. C'est une décision de libérer les personnes. Toutes les personnes introduites par la traite sont libérées. Ça coupe l'herbe sous le pied aux trafiquants. Voyez, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une libération d'une classe de personnes. Et nous savons que cette décision a été appliquée. Bon, on n'a peut-être pas eu une efficacité absolument radicale, mais les archives montrent qu'effectivement, dans les endroits où il y avait un gouverneur obéissant à la reine de Madagascar, les personnes introduites par la traite qui se sont présentées à ce gouverneur ont été enregistrées et libérées. Je m'arrête là. Oui. Oui, je crois que c'est bien. Hein. Le reste, nous verrons. Oui, voilà. Alors, Monsieur Bas, vous avez un droit de réponse si vous estimez avoir des choses à dire, peut-être sans être trop long. Oui, je vais d'abord revenir sur les remarques de ma directrice. Bon, elle n'a pas. Bon, juste pour remarquer, par exemple, sur les photos de Mme Chabal. Effectivement, il y a tout le travail d'explication à faire au niveau de la coquetterie, au niveau de l'habillement, de la classe sociale. Mais moi, ce que j'ai essayé de montrer avec cette photo, c'est comment ce militaire guinéen a réussi, enfin, comment ce mariage a pu avoir lieu avec une femme d'origine merne, alors que souvent aussi, on dit que bon, c'est les merles, les mariages entre non seulement les Maïs et les Madagascar, ça ne marche pas, et encore avec les Africains, c'est autre chose. Donc j'étais beaucoup plus orienté vers cette affaire-là, ce qui peut-être a fait que je n'ai pas mis l'accent sur vraiment la partie habillement, coquetterie, la vie. Bon, c'est des remarques que je vais prendre en compte et puis j'ai intégré. Pour revenir à certaines remarques de M. Guénier, dont
questions concernant le traité. C'est vrai que le traité avec l'Angleterre, qui avait quand même des relations assez intenses avec Madagascar au début du 20e siècle, excuse-moi, du 19e siècle, n'était pas tout à fait, était opposé à la pratique de l'esclavage et je ne sais pas si... De la traite, pas de l'esclavage. De la traite, ok. Je ne sais pas vraiment si, est-ce que, comme en 1877, quand ça, la reine a quand même voulu jouer un rôle majeur, est-ce qu'en 1820, ça a été le cas? Là, je n'ai pas eu vraiment des éclaircissements sur cette affaire-là. Mais je sais que dès 1820, l'Angleterre quand même s'est opposée et a fait en sorte que pour sauvegarder les relations qu'elle a avec donc, la reine et les autorités de Madagascar, elle ne voulait pas que la traite se poursuive. Peut-être pas pousser la discussion là, sauf en privé, puisque on est quand même en dehors de votre sujet. Bien lire l'article. Hein, donc voilà. Donc répondez plutôt sur les questions qui portent spécifiquement sur le thème. Je pense à ces idées de dette de sang. Oui, maintenant, c'est ça là où je voulais venir. Bon, cette affaire de glorification de la France, bon, je crois que c'est peut-être un vocabulaire que j'utilise et que tous ceux qui travaillent sur cette question des soldats africains utilisent souvent. Il ne s'agit pas de les glorifier quand je parle de dette de sang. Pour moi aussi, quelque part, il y a dette de sang. Parce que quand on recrute des gens dans des régions, on les amène, la plupart sont morts aussi, d'autres. Moi, je vois le sang qu'ils ont versé sur le terrain. Et finalement, quand il y a oubli, pour moi, il y a quelque part, il y a dette. Et le sang qu'ils ont versé, c'est certes, peut-être que j'appelle dette de sang. C'est des expressions reprises un peu partout, notamment par les journalistes. Moi, je vais dans le sens de. Je vais quand même dans le sens de ces soldats. J'étais quand même un peu choqué par le fait qu'on parle seulement de ceux qui ont fait la deuxième et la première guerre mondiale, ceux qui sont sacrifiés. Pourtant, les autres sont sacrifiés aussi. Donc, c'est ça qui m'a poussé à sortir ces expressions-là pour dire que si on parle des soldats de la deuxième guerre, on doit aussi parler aussi des premières années avec Feder, jusqu'au rapport. Moi, je voulais faire parlant de drapeau qui s'est dit. Je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Je crois que, justement, c'est important de peser les mots. Hein. Si vous dites sacrifice, sacrifice, c'est un mot religieux. Hein. Ça veut dire qu'un don a été fait par l'homme à une divinité. Moi, je refuse de croire que la patrie est une divinité à laquelle on fait des sacrifices. Vous voyez, bon, naturellement, ce sont des métaphores, mais c'est mieux de bien peser les mots, de dire les choses objectivement. Si on peut, on ne peut pas toujours. Merci. De toute façon, la discussion va continuer, puisque d'autres membres du jury vont s'exprimer. Alors là, je vais lire le pré-rapport qui avait été fait par Gabriel Ventrande, donc enseignant à l'université d'Antananarivo, et qui ne peut pas être présent. Donc je lis son rapport. Le texte proposé par Amadouba en vue d'une thèse en histoire révèle dès la première lecture de multiples qualités, dont une ampleur plus que suffisante pour un travail de ce genre, plus de 500 pages au total, 12 chapitres pour 3 parties, des recherches fouillées qui trahissent un effort exemplaire d'érudition et une écriture alerte qui permet au lecteur un abord aisé. Le sujet est neuf, mais par son contenu même, les West Africa à Madagascar, il exige que le chercheur garde constamment les trois champs concernés par les faits, Madagascar, terre d'accueil des Sénégalais, entre guillemets, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, lieu de départ, et la France, où les décisions se prenaient et où est encore conservée une bonne part de documents sur la question. Par sa démarche et par la synthèse qu'il a fournie, Amadouba a réalisé l'effort qu'il fallait compte tenu de cet éclatement de son thème de recherche. L'ensemble du volume présenté justifie déjà amplement que la thèse soit soutenue. La matière rédigée, 336 pages au total, comprenant les trois parties d'introduction et la conclusion, réalisée dans une langue parfaitement maîtrisée, en dépit de certaines copies qui se corrigeraient aisément, et d'un excellent niveau. À cela, Amadouba a joint un appareil scientifique fait d'une grande diversité de composants, d'abondantes notes en bas de page, de riches sources originales et imprimées, alimentées par les dépôts d'Antananarivo de Paris et d'Aix-en-Provence, jointe à une riche bibliographie, le tout présenté sur 23 pages, 10 tableaux, 15 cartes, 27 illustrations et 9 photographies. Une longue introduction, 31 pages comprenant en fait un exposé méthodologique, une présentation de Madagascar et une revue des sources,
expose clairement le sujet, situe la démarche sur le plan épistémologique, pose la problématique d'un sujet à la fois original et pertinent par son contenu. La conclusion, un peu courte, expose les résultats d'une recherche, mais ouvre en outre d'autres perspectives de recherche, dont les soldats malgaches en Afrique ou en Asie pendant la période coloniale. Elle évoque volontiers des pistes pour des recherches postdoctorales. L'architecture à la fois thématique et chronologique des trois parties proposées répond aux exigences d'un thème spécifique. La première partie, des Sénégalais pour la conquête et la colonisation de Madagascar, parle du choix des Sénégalais, toujours entre guillemets, à l'origine pour occuper effectivement le pays et y développer une colonisation française. Les faits y sont clairement exposés dans le temps, depuis le recrutement de volontaires à une mobilisation forcée. Les phases d'arrivée des Ouest-Africains à Madagascar y sont, pour une fois, soigneusement reconstituées. La seconde, les Africains à Madagascar, évoque la part des intéressés dans la conquête et la pacification et la répression de toute velléité de résistance contre l'ordre colonial depuis les premiers soulèvements au lendemain de la conquête jusqu'à l'insurrection de 1947. La troisième partie, la plus copieuse, 120 pages, aborde la question très actuelle du devenir des Sénégalais restés à Madagascar et leurs descendants à travers trois chapitres volumineux et passionnants à lire. Amadou Ba n'y hésite pas à traiter d'importants sujets comme le vivre au milieu des Malgaches et la stigmatisation ou l'intégration pour déboucher finalement sur le rôle du Sénégal dans la résolution de la crise malgache de 2001-2002. Dans son travail, Amadou Ba offre des résultats sérieux et solides par leur ampleur et leur contenu, riche par le volume des connaissances historiques nouvelles. Il apporte dans l'histoire des rapports entre Madagascar et l'Afrique une lumière qui corrige les a priori et les idées fausses accumulées par des décennies de méconnaissances et d'occultation. C'est pour toutes ces raisons que je recommande vivement que cette thèse soit présentée à soutenance. Alors je donne maintenant la parole à Ibrahima Thiouf, qui a co-dirigé le travail avec Madame Radjaouna, qui est enseignante, donc professeur à l'université de Dakar et qui nous fait le plaisir d'être présent. Après l'intervention de M. Thiouf, je proposerai une brève pause vu l'ampleur du jury. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais dire quelques mots. La thèse qui m'a présenté à notre attention. Je dois dire que c'est ici que j'ai vu la thèse sous sa forme, parce que la poste n'est pas encore réussi à m'acheminer la thèse jusqu'à Dakar. Heureusement qu'il y a la technologie qui permet de résoudre plus rapidement ces questions. Donc avec Michel Ba, on était convenu qu'il m'envoie la thèse sous format PDF. Et donc avec les images qu'il y avait, c'était extrêmement lourd. Mais on a réussi quand même à contourner la difficulté et je l'ai finalement reçu pour l'imprimer. Donc souvent, peut-être les références que je vais donner ne vont pas correspondre à la pagination de la thèse soutenue, mais on verra comment faire les équilibres. Je dois dire que j'ai été très frappé parce que j'ai participé à la direction de cette thèse, donc j'ai lu des parties avant la mise en forme finale. On a eu un discuté, Michel Ba et moi-même. Donc j'ai vu l'évolution de l'écriture, du travail et de l'approche qui a été celle de Michel Ba. Donc je suis tout à fait satisfait de l'énorme travail de l'éducation très fouillée qui montre des efforts très certains d'avoir voulu vraiment être, même s'il n'y arrive pas, d'être exhaustif avec les différentes sources possibles. À la fois, il va dans toutes les directions, les archives, mais également la littérature grise, les témoignages oraux. Tout cela est combiné, bien sûr, avec l'iconographie, comme il l'a exposé, et ça montre vraiment un effort sérieux du candidat à aller aux sources qui sont importantes mais qui ne sont pas la totalité de l'histoire. Donc ces sources sont très importantes et
M. Ba les explore et les expose en rencontre, les discute, les interroge, questionne leur pertinence, leur signification et toutes les sources. Je veux dire par là que très souvent, la critique des sources, on attaque dans la posture d'anciens colonisés, on s'attaque souvent aux sources d'archives produites par l'administration coloniale, on les suspecte, pour ainsi dire. Mais M. Ba arrive à traiter ces différentes sources de façon équilibrée. Il les prend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sources qui portent des points de vue, que ce soit de l'administration, des témoins qui interrogent, tous sont soumis à la même critique. Le sujet qu'il aborde est également très intéressant, qui met en relation à la fois l'Afrique et une de ses îles. C'est toujours très complexe les relations entre l'Afrique et ses îles. Il y en a même une qui veut adhérer à l'Union européenne, c'est le Cap Vert, les îles du Cap Vert. Donc ça montre. Voilà, ça montre la complexité. J'avais proposé à l'association des historiens africains qu'on fasse une colloque sur le thème l'Afrique et ses îles. Vraiment discuter des relations des îles de l'Est, des îles de l'Ouest, du Nord, tout le conflit entre l'Espagne et le Maroc, autour de ces îles, la présence française dans l'océan Indien. Ça montre, disons, un intérêt très certain donc, entre l'Afrique, Madagascar et la France. Et en particulier, peut-être même pas la totalité de l'Afrique, mais une Afrique très particulière, c'est l'Afrique du Nord, qui a été la porte d'entrée de la France, et qui a une très longue présence au Sénégal, et qui va donner ce nom générique de tirailleurs sénégalais. Et une fois la conquête acquise de l'Afrique de l'Ouest, la mobilisation, même avant la mobilisation de ces hommes et de ces femmes, parce que ce ne sont pas seulement des hommes, et vous le montrez très bien, et ça amène à votre crédit, vous n'avez pas été aveugle à la présence des femmes, même si vous parlez de militaires alors qu'on n'a pas de femmes militaires, tant que je sache. Mais leur présence est très remarquée donc en vue de la conquête et de la conquête et de l'Afrique et de Madagascar. C'est à la fois un sujet intéressant mais également très délicat. Et on le voit bien dans les discussions. Vous restituez le contexte dans lequel vous abordez ce sujet, qui est aujourd'hui, pour ainsi dire, un terrain miné. Parce qu'il y a tout un discours nationaliste de célébration, de commémoration, d'usage à des fins qui ne doivent pas emporter l'historien à suivre, comme vous avez dit tout à l'heure, les journalistes ou l'État ou les communautés qui parlent et qui célèbrent. Nous autres historiens, bon, on a le devoir de prendre un peu plus de distance, d'interroger le vocabulaire qui est utilisé par les politiciens, comme par les journalistes, comme par les autres disciplines, de l'interroger, de questionner, parce que très souvent, cette mémoire nous aveugle sur ces réalités. Comment rendre compte ce que le récit nationaliste a du mal vraiment à faire, il n'est pas à l'aise, comment rendre compte du fait que la France a mobilisé des Africains pour conquérir l'Afrique. On va essayer d'utiliser, de justifier, de faire des plaidoiries. Alors que nous, notre boulot, ce n'est pas de faire des plaidoiries, ni d'essayer de justifier quoi que ce soit, c'est plutôt d'expliquer, de rendre compte de processus, de les analyser. Comme dit mon ami Doulaye, on ne fait pas l'histoire en apesanteur, mais autant qu'on peut, il faut éviter, disons, de suivre justement ces envolées lyriques sur l'héroïsme des tirailleurs. C'est des hommes de valeur qui se sont sacrifiés pour la France et que la France doit reconnaître. Et on utilise toutes sortes de... pour les traiter presque comme des surhommes. Et je pense qu'il faut leur redonner leur dimension et savoir que le problème, pour moi, n'est pas de se situer en termes avant tout de responsabilité où on n'est pas à un tribunal.
on est plutôt dans un espace où on essaie vraiment de comprendre les choses. Ce sujet est également important vu du côté de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une question qui est très peu connue des Sénégalais. Je suis historien, mais vraiment j'apprends énormément de choses sur cette présence sénégalaise à Madagascar. Je ne mesurais pas son importance, son ampleur. Je découvre que ça a vraiment beaucoup compté et ça me semble très important. Parfois même en lisant certains témoignages, j'étais très ému de voir ces familles écartelées dans un si vaste espace. Je n'avais jamais imaginé qu'on puisse rencontrer les familles Ndiaye à Madagascar. Bon, c'est toujours très intéressant. Donc. Mais de là, on ne doit pas non plus succomber dans la défense de la mémoire sénégalaise. On voit bien, vous freinez des quatre fers en disant très souvent « Ah, nous ne sommes pas responsables » et vous vous incluez là-dedans. Nous ne sommes responsables de rien, on obéissait simplement, parfois même cela vire aux plaidoiries de défense des soldats sénégalais. Ils ne faisaient qu'obéir aux officiers et tout ça. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin de prendre cette posture d'avocat. Et on voit bien en lisant votre texte, vous le donnez à quelqu'un, même si on enlève toute la partie. On ne reste que le texte, en le lisant, on voit tout de suite que vous êtes sénégalais. Et même que vous êtes poulard. Bon, au niveau du titre également, je me suis posé la question, pourquoi vous avez voulu vraiment vous arrêter en 1960? Le temps que vous ne vous arrêtez pas en 1960, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce fétichisme de 1960 qu'il faut arriver à développer. Bon, moi-même, j'en ai été victime, je me souviens, en faisant ma thèse, je m'arrêtais en 1960. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je faisais une thèse d'histoire économique, qu'est-ce qui se passe dans l'économie sénégalaise en 1960? Rien. Pourquoi vous vous arrêtez en 1960? Ce qui fait que j'ai poussé jusqu'en 1973, justement là quelque chose se passe dans l'économie sénégalaise en 1973. Donc il faut s'interroger sur cela, et moi j'aurais bien vu de 1880, du 19e siècle à nos jours. Ça a réglé le problème, d'autant que vous venez jusqu'en 2008, peut-être même 2010, donc je ne vois pas pourquoi vous vous arrêtez. Maintenant, sur la forme, je vous passerai, disons, mes propres remarques, bon, de quelques coquilles. Bon, j'ai trouvé que l'écriture était simple, vous dites sans fioriture ce que vous voulez dire, c'est clair, on comprend bien votre texte. Et ça va parfois même jusqu'à donner l'impression d'une langue un peu trop relâchée, pas suffisamment soignée, avec parfois une sorte de confusion dans les registres écrits et oraux. Donc faites attention à cela pour que le langage reste quand même beaucoup plus soutenu. Et un problème qui revient très souvent, je pense que c'est notre extériorité par rapport à la langue, l'usage de la virgule dans les expressions mises en apposition. J'en ai trouvé vraiment très fréquemment que vous séparez toujours par l'utilisation malencontreuse de la virgule, à séparer le sujet du verbe. Il faut faire attention à cela. Il y a quelques copies que vous écrivez. Vous avez dans le, ça c'est des questions de forme, dans le tableau de la le tableau numéro 7 se trouve dans mon document page 251-253, vous avez des rubriques qui sont inutiles parce que c'est la même réponse partout. Vous dites par exemple profession et tous sont commerçants, donc je vais attendre de l'indiquer, vous le mettez dans le titre. Le tableau numéro 6 également, je pense que ce serait mieux de le présenter en forme paysage et non pas en format portrait. Ça serait... bon, souvent, vous avez eu des paragraphes extrêmement longs. J'avais dans mon document la page 174, il y a un paragraphe qui fait presque une page. Comme je me souviens, on en avait déjà parlé. Une question que je retrouve dans les... mais que je vais tout de suite évoquer, le fameux Lalo et Lali. Et là, je vous fais tout de suite la critique d'être
utilisé pour faire de sanglés, vous en avez fait des mots poulards. D'accord, c'est des mots poulards, mais c'est aussi c'est des mots wolof. Et c'est des mots serrés. Donc là, beaucoup de langues africaines, ouest africaines partagent le même mot. Donc ce n'est pas poulard seulement. C'est lalo et poulard, mais lalo est aussi wolof. Les wolof disent exactement lalo avec le même usage. Karaou, la même chose. Ils disent karaou ou arao pour le distinguer des chevaux, parce que les chevaux aussi ça s'appelle karaou en wolof. Mais ils font une illusion du cas pour donner arao, mais dans certains groupes wolof, on utilise exactement le même terme. Bon, ça a été très intéressant de voir un étudiant sénégalais aller étudier autre chose que le Sénégal. Ça, c'est un de mes combats à Dakar. Aux étudiants, faites-moi une thèse sur les mariages clandestins dans l'Italie du 14e siècle. Je vous assure que vous allez avoir un poste à Dakar. Tous font des thèses sur Dakar, sur leur propre région, sur leur propre famille. Parfois, je dis à mes collègues, soupeux, quelqu'un viendra vous dire, je veux faire une thèse sur moi-même. Vous avez eu l'audace, et ça, c'est vraiment à louer d'aller ailleurs. Et de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça qui nous permet de mieux connaître chez vous. Parce que les Africains ont ce défaut que bon, nous sommes toujours étudiés par les autres, mais on ne va jamais les étudier. Tous les Africains travaillent sur l'Afrique pratique. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est très bien que vous... Et même si vous étiez allé encore plus loin à l'Est, j'en serais tout aussi ravi. Vous êtes déjà allé sur l'île, la grande île, c'est très bien. Mais en y allant, vous êtes resté dans une relation entre l'Afrique de l'Ouest, la France et Madagascar. Mais en allant dans l'île, il vous est arrivé d'oublier un peu vos premières leçons d'histoire de Dakar. Et donc, je vois que vous avez tellement été impliqué dans l'histoire d'ailleurs que ces leçons ont été quelque peu oubliées. Première chose dans la note 6, vous dites que c'était la première fois en 2002 qu'une équipe africaine battait la France au football, je crois, à la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la première fois?